Oui, c'est un moment de rassemblement où, évidemment, nous avons nos forces armées, mais vous avez, nous avons aussi ceux qui nous protègent, les pompiers, les polices, et aussi la société civile qui s'engage, avec la jeunesse singulièrement. Nous avons fait défiler avec beaucoup de fierté nos services civiques, il y a les SNU qui sont là. Donc voilà, c'est un... Et puis la protection civile, la Croix-Rouge, enfin tous ces gens qui sont là pour nous, pour nous protéger, pour protéger ce territoire. Donc on les a salués, on a rendu honneur à tous ces engagés pour la citoyenneté, pour la Réunion. Ça, et nous, nous sommes assez heureux de pouvoir organiser, dans le contexte que vous venez de citer, une fête populaire de rassemblement avec un pique-nique populaire tout à l'heure avec la Fédération d'éducation populaire des citoyens de la ville de Saint-Denis, qui pendant des semaines ont réfléchi sur la République, ont réfléchi sur les valeurs de la République, et ils nous préparent d'ailleurs un spectacle. On va avoir la Marseillaise en créole, et puis après ce soir, vers 17h30, de la musique. On va fêter ce rassemblement populaire avec deux grands plateaux jusqu'à 1h du matin. Et puis, entre-temps, à 20h, c'est le feu d'artifice. C'est 30 minutes avec une thématique de musique de film pendant 30 minutes, pardon. Voilà, donc c'est, j'allais dire, entre le traditionnel et la modernité. Hein, on fait... un peu l'aspect technique avec ce feu d'artifice, mais on reste quand même sur des rassemblements populaires comme le pique-nique. Ben, ça a été décidé avec cette idée qu'on travaille régulièrement à la ville de Saint-Denis, ce travail qu'on fait de médiation pour associer toujours la fierté d'être réunionnais dans la République française. Alors là, il n'y a pas, mais tout à l'heure, j'avais l'écharpe bleu, blanc, rouge, parce que je crois que c'est important d'envoyer ce message aux gens, c'est-à-dire qu'on peut et on doit connaître notre histoire, notre musique, notre littérature, notre langue, notre cuisine, et tout ça dans l'affirmation d'être français. Il n'y a pas d'opposition, au contraire. Et je pense que de là où on est, le message sur les Champs-Élysées, je sais qu'on ne va pas nous regarder sur les Champs-Élysées, mais c'est la symbolique de dire que ben, peut-être qu'un jour, sur les Champs-Élysées, il y aura un Mahabéli qui va descendre avec la République française. Et c'est ça, la diversité de la France. Le combat aujourd'hui encore qu'il faut mener, la solidarité, la fraternité, l'égalité, mais aussi la diversité. La diversité est une richesse, mais il faut la porter, il faut l'assumer tranquillement, paisiblement, sans jamais opposer les choses, rassembler dans la diversité.